Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 décembre. On m'a demandé de connaître l'ambiance en ce moment à Koh Samui. Alors voici l'ambiance à Fisherman Village, ici à Koh Samui ce soir. C'est parti! Il est environ 18h20 ici à Koh Samui au marché de Fisherman Village. Alors je vous rappelle que maintenant ce marché a lieu trois fois par semaine, les lundis, mercredi comme ce soir et vendredi. Alors beaucoup de personnes connaissent le marché du vendredi mais connaissent moins celui du lundi et du mercredi. Donc il y a un tout petit peu moins de monde ce jour-là. Voici un petit peu l'ambiance que vous allez retrouver. Alors de ce côté-ci, vous allez pouvoir vous poser pour profiter d'une dégustation d'un petit cocktail. Ça va les gars. Et de ce côté-ci, vous allez pouvoir acheter tout un tas de petits produits locaux pour aller les déguster et vous installer ensuite à côté. C'est bien. Alors 18h15, 18h20, voici l'ambiance du marché de Fisherman Village ici à Koh Samui. On va pouvoir commencer les dégustations de fruits. Alors si vous venez à Koh Samui, n'oubliez pas de goûter ces petits ananas, ils sont délicieux. Et on commence à voir les mangoustines. Ici les fruits du dragon. Bien sûr les mangues. Et ici, les goyaves. Ah, et puis le traditionnel mango sticky rice. Si vous venez sur ce marché, je vous recommande à nouveau, je ne saurais le dire trop souvent, mais il faut absolument venir manger ce sticky rice qui est grillé au barbecue. Elle en fait des galettes. Sawadeeka. Elle en fait des galettes qu'elle fait griller ainsi au barbecue. Et à côté, vous pouvez aussi déguster la glace au lait de coco. Elle vous est servie dans une coconut, comme ça, qui est grattée. C'est vraiment délicieux. Je vous le recommande particulièrement. Alors, vous voyez, ça manque pas de monde ici à Koh Samui. Une bonne ambiance. Il y a beaucoup de nationalités différentes. Énormément de Russes. Mais on entend vraiment parler toutes les langues. Des Anglais, des Allemands, des Hongrois. Un peu partout, vous trouverez les fabuleux pad thai qui sont les spécialités de la Thaïlande pour les touristes en tout cas. Vous allez pouvoir déguster de délicieux jus de fruits. Et puis il y a toujours des stands nouveaux. Ah ben là il y a un stand italien qui propose des sandwichs avec du pain et je pense de la charcuterie locale, enfin locale italienne vraisemblablement. Toute la partie qui rejoint la main road est dédiée à un marché de street food et le meilleur pad thai c'est celui-ci. Alors ne ratez pas le pad thai qu'on vous propose ici. Sawadeeka. Le pad thai coûte 50 baht au poulet, 80 baht aux fruits de mer. Actuellement, on a aussi de la fraise de Chiang Mai. Elle est très douce, elle est bien sucrée. Des petites brochettes, sawadeeka. Des jus de fruits. Ah, des huîtres. Alors, ne soyez pas surpris, ici, on peut vous vendre à l'huître, une par une. Ou alors une petite assiette. Et quelquefois, on vous propose des huîtres en dehors de leur coquille, c'est-à-dire uniquement le fruit de mer. C'est pas le cas ici parce que là ce n'est pas un marché pour les Thaïs mais plutôt un marché touristique. Mais c'est ce que vous pourriez trouver dans d'autres marchés, ne soyez pas surpris. Voilà, ce qui nous fait toujours marrer quand on est européen, c'est le système pour empêcher les mouches de s'approcher de la viande. C'est assez efficace. Ici on a du poulet grillé. Ah ça doit être bon.
ça a l'air très appétissant. Des moules gratinées ici. Voilà, il y a vraiment une grande diversité de plats qui vous est proposée. Une cuisine devant vous. Assez classique. La brochette de poulet avec une petite tomate au bout. Les ribs. Ça c'est très bon aussi, les ribs. La glace au biscuit qui va être roulée devant vous. Ça coûte 100 bahts. Ah, ils se sont adaptés aux tarifs européens. Un kebab. Et oui, ils répondent aussi à la demande touristique, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut manger? Du poulpe. Des crevettes. Des gyoza. Gyoza, ce sont des raviolis en fait. C'est d'origine, je crois que c'est au japonais. Voilà, par endroit, il y a beaucoup de monde. Donc j'essaie de me faufiler. Ah, ça c'est très bon aussi. Des gaufres. On entend parler allemand par ici. Encore des pad thai. Des ribs cuites au barbecue devant vous. Ici, des Indiens, des Israéliens à côté. Et quand on arrive sur la petite place que forme cet arbre magique au milieu, vous avez à nouveau des bars à cocktails qui vous sont proposés. Tout autour commencent différents stands. Alors ça, des stands pour vous vendre de la marijuana et autres accessoires. Je peux vous dire que ça ne manque plus du tout à Koh Samui. On en trouve tous les 20 mètres. Vous pourrez aussi vous exercer sur ce stand de tir. Et à partir de là, commencent les différents stands pour trouver des articles locaux pour ramener des cadeaux à vos familles, à vos amis. Et notamment ces célèbres savons sculptés. Voilà, ils sont sculptés à la main. Et ils sentent vraiment très très bon dans les armoires. Vous pouvez les laisser ouverts et ça sent très bon. C'est un joli cadeau, c'est coloré. Ça fait plaisir. Sawadika, sabaili maika. Ce que j'aime bien proposer aussi, ce sont ces bols qui sont réalisés en noix de coco. Regardez comme ils sont jolis. C'est idéal pour faire des petits plats pour vos apéritifs. Alors, faudra pas le mettre au lave-vaisselle quand même, hein, pas exagérer. Ensuite, vous pourrez vous faire des petits plaisirs avec des bracelets, des petits vêtements, différents produits de soins comme de l'aloe vera, ou des baumes du tigre qui est ici et l'équivalent thaïlandais ici. C'est tout à fait équivalent. Kapumaka. Ensuite, vous voulez vous faire plaisir avec des petits objets de décoration ou alors des montres ou alors quelques casquettes de marque. Alors de marque, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ah tiens, ça c'est nouveau. Les tongs flip-flop rembourrés. Vous connaissiez ça, les flip-flop rembourrés? Ça doit être confortable en tout cas. Vous savez que je n'ai plus du tout de chaussures de ville. Là, pour me rendre au congrès dont j'ai présenté une première vidéo, il m'a fallu emprunter des chaussures à ma fille. Je ne me porte que des tongs ici à Koh Samui. Ça vient aussi du fait que quand on vit ici, on se déchausse partout. Quand on va chez quelqu'un, on se déchausse. Quand on rentre dans un temple, on se déchausse. Du coup, c'est tellement plus pratique de porter des tongs que l'essayer, c'est l'adopter. Mon budget chaussures a considérablement diminué, vous en doutez. Alors, je vous ai déjà parlé de ce stand, j'en reparle à chaque fois parce que faut pas oublier. Quand on vit à Koh Samui, qu'on veut faire des cadeaux à sa famille, à ses amis, on recommande systématiquement ce stand de jade. C'est du vrai jade et une vraie artiste. Sawadika, sabaili maika. Elle fait elle-même ses bijoux en vrai jade, s'il vous plaît. Donc ça, c'est des beaux cadeaux, vous voyez, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Les personnes porteront assurément. Et là, elle explique que c'est du jade qui vient du Myanmar. Allez, si vous voulez parfumer vos maisons, vous avez des senteurs qui vous sont proposées aussi, quelques statues. Là, c'est la partie shopping, vêtements.
des sacs, des baskets, des petits vêtements, alors des ceintures. Ça, c'est très sympa de se ramener aussi une petite ceinture de toutes les couleurs. C'est cool. Thank you. Vous pouvez vous ramener des montres, des amplificateurs, des vêtements pour les enfants, des foulards, des sacs. Ah, quelques petites robes pour faire un peu de shopping. Elle est mimi celle-ci. Regardez, ça c'est une robe. C'est une robe longue, mais vous savez ici, pour vous pouvez aller faire le marché, mettre des robes longues, voler au restaurant en mettant vos robes longues. Alors n'hésitez pas à les apporter, c'est l'occasion. Hello. Where are you from? Sweden. Ok, voilà. Un Suédois. J'ai entendu beaucoup de langues, mais j'ai pas entendu parler français. Ils doivent être en train de faire l'apéritif, les Français. Là, j'entends parler, je ne sais pas. Where are you from? From Russia. Russia, thank you. C'était des Russes. Et ça, regardez comme c'est joli pour mettre dans vos jardins. C'est chouette, c'est lumineux. Alors voilà, les stands de cannabis, il y en a aussi sur les marchés. Donc très facilement, vous pouvez acheter votre petit joint de marijuana sur le marché. Bah oui, c'est comme ça. En fait, il y a une lacune dans le texte de loi qui est paru. Tout le monde s'en est emparé. Bon, il y aura des décrets d'application qui vont remettre ça en ordre d'ici peu de temps. Mais en attendant, tout le monde en profite. Les vendeurs, les acheteurs. Ah, j'entends parler français, ça y est. Ils sont là. De la décoration, si vous voulez faire une maison ambiance marine. Des vêtements. Ah, une dame française. Un peu de décoration encore. À nouveau des savons sculptés, des vêtements. Voilà, il y a des stands plus colorés que d'autres. Et voilà. Donc là, je suis arrivée au bout de la rue qui est perpendiculaire à la mer. Si je pars côté gauche, on a le Coco Tams avec son fire show qui va pas tarder à commencer aux alentours de 19h. Et si on part du côté droit, eh bien on longe la mer. Et là, on a toute une série de restaurants, de shopping, magasins et autres. Je vais m'avancer par là. J'ai déjà filmé le fire show. Je le montrerai à nouveau une autre fois. Mais dites-moi si vous avez envie que je filme le fire show la prochaine fois. Vous me direz. Voici l'ambiance. Là, il est environ 19h30. N'oubliez pas de manger le banana pancake, banana rôti, ici. Et puis là, vous allez pouvoir vous adonner, mesdames et messieurs, au shopping. Il y a toujours des petits articles qui font plaisir. Hello. How are you? I'm good, and you? Where are you from? Uruguay. Uruguay? Yes. Where is it? South America. Okay. I live in Australia. Okay, nice and to meet you. I'm French, but I live in Thailand. Yes. I live in Koh Samui. Ah, good. Thank you. Nice to meet you. My YouTube channel is Emma Koh Samui. Emma Koh Samui. You will see you on my your YouTube channel. Okay. Thank you, bye. Ça, c'est plus rare, des gens d'Amérique du Sud et d'Australie. Alors d'Australie, oui, ça arrive, mais d'Amérique du Sud, c'est assez rare. Sur cette partie, on a à nouveau quelques stands qui sont proposés côté droit et côté gauche, on a la mer. Voilà. Si quelqu'un se demande quel est le taux de change actuellement pour l'euro, c'est actuellement 1 euro pour 35 bahts. 1 euro pour 35 bahts, 35,05 exactement. C'est pas terrible.
Un petit clin d'œil à l'Eden Bungalow qui est tenu par des Français. J'ai fait un reportage sur un tatoueur, donc vous aurez prochainement la vidéo qui sera publiée. Quelque chose d'assez spécial, je vous proposerai de le regarder dans une vidéo qui sortira prochainement. The Cozy Restaurant Fisherman. Alors ça c'est récent, ça a ouvert il y a environ 2-3 mois peut-être. C'est une bonne table, je vous recommande. J'y ai mangé la dernière fois, je vous l'avais présenté. On y mange très bien. Et je vous recommande aussi d'aller au bout de cette petite rue parce qu'il y a un restaurant typiquement thaïlandais comme je les aime qui s'appelle Aroy Di. Aroy, ça veut dire j'aime. Di, ça veut dire c'est bon. Donc n'hésitez pas à aller au bout. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que la dernière fois que je suis passée ici, les commerces de part et d'autre étaient fermés. Donc on peut montrer que ça a évolué. L'activité a repris son cours, même si c'est pas encore tout à fait ça malgré tout. On sent bien que l'ambiance commence à revenir avec des commerces ouverts ici de part et d'autre. Alors, ouais, ça fait plaisir de voir des commerces ouverts de part et d'autre ici. Vous allez même pouvoir vous acheter des petites robes, des maillots de bain. Voilà, et voilà le restaurant que je vous conseille. C'est beaucoup plus calme, Aroy Di, et avec des gammes de prix qui sont beaucoup plus locales, évidemment aussi. Voilà, un plat de massamam coûte 150 bahts, par exemple. Un panang coûte 150 bahts aussi. Un green curry, 150 bahts. Oh, vous connaissez sûrement beaucoup des plats qui sont indiqués ici. Je voudrais vous montrer. Voilà, la fameuse Tom Yum Goon, 150 bahts. Si elle est au poulet, 220 bahts. Si elle est aux fruits de mer. La bonne cuisine de Thaï dans ce restaurant. Kawadeka! Si vous avez des enfants, vous pourrez leur faire des petits cadeaux, des petits chapeaux. Regardez comme c'est mignon. Alors, je vous propose aussi d'observer ce très joli stand de montres. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, vous faire croire que vous avez une très belle montre payée dans une gamme de prix acceptable, ça coûte dans les 300 à 400 euros pour vous donner une idée du prix en euros. Mais il y a vraiment de très belles pièces. Par contre, bien sûr, il faudra un peu la cacher au moment de passer la douane. Je ne suis pas sûre que ce soit très 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 bien accepté. Voilà, je suis devant le Happy Elephant qui est vraiment une institution ici à Koh Samui. Il vous propose des plats et des poissons qui sont présentés devant l'établissement. Oh, les langoustes. Une pensée pour Mike et la langouste que Ni nous cuisinera la prochaine fois que tu viens, promis. Si vous voulez manger indien, vous pouvez manger ici. Manger italien, ça sera chez Gusto Italiano. Nouvel établissement, c'est la Payotte qui a fait une rénovation complète. La Payotte. Oh, je suis contente, je vois que l'Oasis restaurant a réouvert. Je suis contente parce que c'était un restaurant sino-thaï qui avait fermé pendant le Covid et je pensais vraiment qu'il ne réouvrirait pas. Donc je suis vraiment ravie. Vous voulez manger des plats typiquement thaï, c'est ici. Si vous voulez vous faire votre costume, vous pouvez venir ici chez Johnny. Voilà les magasins qui sont nés un petit peu partout à Koh Samui, vendent du cannabis. Bon, c'est un petit peu banalisé la chose, je sais pas ce que vous en pensez, pas trop fan. Pour des raisons voilà, qui me sont personnelles, je suis pas fan. Je connais les dégâts que cela peut causer, même de la marijuana.
ma petite adresse locale pour aller manger thaï. Manger un pad thaï ou autre. Alors, je vous ai déjà parlé du Siam Spa. Si vous avez l'occasion d'aller regarder sur internet, regardez les photos de cet établissement. Ils appellent ça des chambres. Ils ont des salons de massage qui sont face à la mer. Alors, vous avez la mer turquoise face à vous. Vous vous faites masser. C'est top. Voilà, un bel établissement que je vous conseille. Avec la gentillesse du personnel. Alors, la lobster, combien? 1500 bahts, la lobster de 500 grammes. Un peu de shopping sur le côté droit. J'espère que je ne vous donne pas le tournis. Là, nouveau magasin de sous-vêtements, maillots de bain, et déshabillés, etc. Il y a encore quelques établissements qui sont en travaux. On voit que la vie reprend, mais pas encore là à 100%. Le yin et le yang qui affiche aussi ses poissons, ses fruits de mer. Si vous voulez vous offrir un tableau, vous pouvez venir ici, The Modern Thai Art Gallery. On vous fera le tableau de vos rêves. Amazonas pour les maillots de bain. Approche du karma, il y a un peu de vent là, je sais pas si vous l'entendez, j'espère que ça va pas être trop bruyant dans la caméra, mais à cet endroit là il n'y a pas d'établissement, donc il n'y a rien qui arrête le vent. Voilà pourquoi c'est un petit peu plus agité. Le karma me semble bien calme pour ce soir. C'est un petit peu plus tard que cet établissement s'anime. Là il y a une rue qui mène vers la seconde ou première entrée de Fisherman Village, Karma Deli ici. Et comme j'ai un rendez-vous au Green Light, je vais vous montrer jusqu'au bout cette rue animée de Fisherman Village. Voilà, ici vous allez trouver le Red Moon pour manger un petit peu plus au calme. Et puis on va trouver ici plutôt quelques hôtels, côté gauche, côté plage, salon de massage, salon pour se faire les ongles côté droit. Et si vous allez jusqu'au bout, vous allez trouver un établissement de thaï. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer l'ambiance à Koh Samui en ce mercredi 28 décembre 2022. Je vous souhaite un très très bon réveillon et puis on se retrouve l'année prochaine avec des nouvelles vidéos sur Koh Samui. À bientôt. Bye bye.